Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. A period piece for the Me Too era. That's the description handed to the latest film from celebrated French director François Ozon. My Crime follows the story of a young actress living in 1930s Paris who is the victim of an attempted sexual assault. After her would-be assailant is found dead, she's put on trial and becomes a feminist icon. Ozon told Euronews why he decided to make a historical film. C'est important que ça se passe dans les années 30, parce que ce dont je parle, si je l'avais traité aujourd'hui, je pense que ça aurait été un film beaucoup plus dramatique. Alors forcément, mon histoire résonne avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le mouvement féministe actuel, dans la libération de la parole par rapport aux violences faites aux femmes. Mais c'est intéressant, je trouve, de regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui et de voir que dans les années 30, c'était aussi très compliqué et que les femmes, elles trouvaient peut-être des moyens un peu transgressifs pour s'en sortir et réussir. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. In addition to a self-described feminist film, My Crime is both a tribute to the 1930s and the golden age of Hollywood, and is destined to reach an international audience. Sa vie de femme, en toute égalité. J'ai la chance de pouvoir sortir dans les pays européens. Celui-là, il est déjà vendu quasiment partout, donc c'est une chance. D'autant plus que ce film est un peu dans la trilogie de 8 femmes et Potiche. Voilà, c'est un peu le dernier volet. Donc, comme c'était deux films qui avaient très bien marché en Europe, et surtout en Europe, le cinéma français est doublé. En Allemagne, en Italie, en Espagne, et du coup, ça permet de toucher un public plus large. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. In keeping with the feminist theme of the film, My Crime was released in France on March 8th, International Women's Day. Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop de chance. Eh bien, je vous en prie.